Bonjour les beaux trésors, aujourd'hui je vais te lire un livre qui s'appelle Monsieur Hatchet. Près du pôle Nord, il existe un pays qui s'appelle la Glaçonnée. En Glaçonnée, il n'y a qu'une seule saison, l'hiver. En Glaçonnée, quand il ne neige pas, il gèle et quand il gèle pas, il neige. Brûle, quel pays glaciaire. En Glaçonnée, il fait si froid que tout le monde est humé. C'est facile de reconnaître les glaçons et ils ont tout le nez rouge. En Glaçonnée, les chiens au nez rouge puissent des chats au nez rouge qui chassent des souris au nez rouge. En Glaçonnée, même les éléphants ont un nez rouge. En Glaçonnée, le bruit que l'on entend le plus souvent, c'est « Hatchoum, Hatchoum, Hatchoum ». Forcément, puisque tout le monde est humé. Monsieur Hatchoum habite en froid de canard, la capitale de la Glaçonnée, dans une petite maison envahie sous la neige. Bonjour! Aujourd'hui, je vais continuer le livre Monsieur Hatchoum. Bon, on y va. Chaque matin, dit son réveil, Monsieur Hatchoum éternuait. Puis il se leva en éternuant, descendant l'escalier et éternuant, déjeunant en éternuant, allait se promener en éternuant. Il éternuait tout le temps. J'en ai assez d'éternuer tout le temps, se dit-il un jour. Je vais quitter le Glaçonnée. Peut-être que ça se passera. Et éternuant, il fit sa valise. Il le remplit de mouchoirs. Puis il ferma la porte de sa maison et en éternuant, il s'en alla en éternuant. Il marcha longtemps, il éternua beaucoup, il marcha pendant des jours et des jours. Monsieur Hatchoum s'aperçut qu'il avait de moins en moins de neige, il n'y en eut pas. Plus du tout, le chemin faisait, Monsieur Hatchoum remarqua une autre chose. Il éternua de moins en moins. Pour la première fois de sa vie, il éternua plus du tout. Le moindre petit Hatchoum. Le demain, je me demande pourquoi il éternue plus, pensa-t-il. Il va dû penser pour toute force, car il entendit une voix lui répondre. Parce que vous n'avez plus le rhume du paradis. Monsieur Hatchoum sursauta, se retourna, se trouva le nez à nez avec le monsieur magicien de l'air fort suivant. C'est quoi un rhume? Demande Monsieur Hatchoum. C'est une maladie qu'on attrape quand on a froid. Ah bon, dit Monsieur Hatchoum. J'ignorais ce que cela s'appelle un rhume, mais vous avez sans doute raison, car j'avais de Glaçonnée. Un pays où il fait froid à longueur d'année, c'est impossible, s'exclame le magicien. Il ne peut pas faire froid tout le temps. Vous oubliez le soleil. Et il le montra du doigt au soleil qui brille dans le ciel. En Glaçonnée, essaye d'acheter des légumes au marché, mais il
dit M. Hachou. Pas de soleil, répétit le magicien. Comme ça, bizarre. Vraiment très, très bizarre. Mais il faut faire quelque chose. En... Oh oui, répondit M. Hachou, sans répondre qui voulait dire le magicien. Et voilà pour la vidéo. Je vais la continuer la prochaine fois. Bye. Bonjour les beaux trésors. Aujourd'hui, je vais continuer le livre Monsieur Hachou. C'est loin la glacie, demande le magicien, à des milliers de kilomètres. Dans quelle direction exactement? Monsieur Hachou indiqua le nord. Ce ne prendra pas longtemps, dit le magicien. Il agita une baguette et marmonna une formule magique. La formule magique fit merveille. Avant d'avoir eu le temps de dire Hachoum, Monsieur Hachoum et la machine se retrouvaient au froid de canard. Comme d'habitude, il neigeait. Bro, j'en ai eu des frissons dans le dos, dit le magicien. Hachoum, Hachoum, fit Monsieur Hachoum. Pauvre Monsieur Hachoum, il éternua le plus bel. Un petit rayon de soleil argentou, dit le magicien. Pour cela, rien de mieux qu'un brin de magie. Dépêchez-vous, s'il vous plaît, dit Monsieur Hachoum. Je me transforme en bonhomme de neige. Dès que j'aurai prononcé ma formule magique, ajouta le magicien. Vous devrez éternuer 3 fois de suite. Le vieux magicien agita une baguette et prononça la formule magique. Hachoum, 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 fit M. Hachoum. Aussitôt, comme par magie, ou plutôt véritable par magie, le soleil apparut entre le gros nuage noir et il cessa de neiger. Fini de rhume, de éternuer, s'écria le magicien, le marmonnant une dernière formule magique, et après avoir dit au revoir, hop, disparut Monsieur Hachoum, resta là, sous le soleil, et regarda fondre la neige. Depuis ce jour, le soleil brille sur glacier a beaucoup changé. On y voit toujours des chiens poursuivre des chats qui chassent des souris, mais ils n'ont plus le nez rouge. On n'y entend plus de Hachoum à longueur d'année. Même Monsieur Hachoum éternue plus jamais. Ce n'est pas tout. L'autre matin, Monsieur Hachoum se regarda dans la glace et se sent trouvé changé. Tu vois pourquoi? Et voilà la fin de notre histoire. Bye!